hommage à cette femme, parce que dès son enfance, elle s'est montrée rebelle à toutes les choses injustes qu'on lui imposait. Et c'est pour ça que j'ai une grande admiration. Et le fait qui m'a le plus marqué chez elle, c'est qu'elle ait pris position, j'ose dire en tant que juive, d'origine juive d'Afrique du Nord, et qu'elle ait défendu Djamila Boupacha. Ça, je trouve que c'est formidable. Voilà. De feuillages au front, un jour d'épaule nue. J'ai eu des origines qui ressemblaient un peu aux siennes. Je n'ai pas eu le même courage dans mon jeune temps, mais j'ai bien éduqué mes filles et mes petites filles. Voilà, c'est tout. Moi, je suis là pour lui rendre un grand hommage. Hommage à la dame qui a participé au grand mouvement politique et culturel du XXe siècle. Je ne l'appellerai pas la décolonisation, mais je l'appellerai plutôt la disparition des anciens empires. Et elle a participé d'une manière vivante, libre et vaillante aussi. Elle était une femme très très courageuse qui s'est engagée dès son jeune âge à être tout le temps aux côtés des idéaux de liberté, d'espoir et de vie. Voilà, ça c'est pour la partie décolonisation. Il y a la partie culturelle aussi où elle a participé à l'émancipation de la femme à travers la dépénalisation de l'avortement, les avancées des libertés, et elle ne s'est jamais arrêtée sur la route ou sur le chemin si elle rencontrait un obstacle. Et je partage avec elle les racines, nous descendons tous les deux de la Kaina. Moi je viens des Aurès, c'est-à-dire que elle a défendu les gars du FLN, mais le FLN de guerre, pas le FLN de ceux qui traficotent et qui sont à Hassim Saoud, le FLN de guerre, et puis nous avons les mêmes racines, la même culture. Moi je suis Chéoui, et cette femme-là qui a parlé de ma grand-mère, je ne peux que lui rendre le plus grand des hommages. La querelle, des manières de roi, et des fronts prosternés, et l'enfant de la femme inutilement né. Les blés déchiquetés, toujours des sauterelles, quoi le bagne toujours, et la chair sous la roue, le massacre toujours justifié d'idoles, au cadavre jeté ce manteau de paroles. Formidable, formidable cette femme qui à l'âge de 10 ans a fait une grève de la faim en Tunisie parce que ses frères la commandaient sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Fais ci, fais ça, quoi. Elle fait une grève de la faim pendant 10 jours. Et au bout de 10 jours, la maman, sa maman, leur maman, a dû dire aux garçons de se calmer. Mais je ne sais pas comment ça s'est passé, toujours est-il que 2 ans après, elle a quitté la Tunisie. Monsieur le Président, Messieurs du Tribunal, je ressens avec une plénitude jamais connue à ce jour un parfait accord entre mon métier qui est de plaider, qui est de défendre, et ma condition de femme. Gisèle Halimi a été mon avocate. C'est une femme admirable, admirable parce qu'elle est humaine. Vulnérable, économiquement et socialement. Cette classe des sans-argent et des sans-relations qui est frappée. Voilà 20 ans que je plaide, messieurs, et je pose chaque fois la question, et j'autorise le tribunal à m'interrompre s'il peut me contredire. Je n'ai encore jamais plaidé pour la femme d'un haut commis de l'État ou pour la femme d'un médecin célèbre. Ah, je désespérais de mes frères sauvages. Je voyais l'avenir à genoux, la bête triomphante et la pierre sur nous. Quand on avait un conseil à lui demander, on allait la voir. Elle était toujours disponible. Gisèle Halimi, en particulier à l'association ATTAC, dont elle a été la fondatrice d'ATTAC. Mais elle était pour toutes les minorités qui étaient en situation de faiblesse, y compris les Palestiniens, alors que elle, je ne sais pas si elle avait des origines ou des qui la
qu'il a lié aux Palestiniens, mais je crois que pour tout, toute la défense des peuples qui étaient opprimés, elle était pour, dans la mesure de ses moyens, quoi. Le fait que l'Union européenne ne soit pas partie aux conventions de Genève n'empêche pas l'applicabilité de la règle à l'Union européenne, pour les raisons que je viens de vous rappeler. Ainsi, dans l'affaire précitée du mur, la Cour internationale de justice a considéré qu'une organisation internationale comme l'ONU, qui n'est pas non plus qu'il était mesure, doivent être prises afin de mettre un terme à la situation illicite découlant de la construction du mur et du régime qui lui est associé. Un jour viendra, couleur de... Je suis pro-palestinien, en tout cas totalement opposé à la politique de Netanyahou et compagnie d'annexion des territoires. Enfin bon, bref, c'est la honte. Un jour viendra, couleur d'orange. Un jour de paix, un jour de feu. Salim, alors je viens du Puy-en-Velay, d'Auvergne, et je suis gilet jaune. Alors on est ici à ce jour pour Madame Gisèle Halimi, pour son décès, et là on est au Père-Lachaise, et mon souhait ce serait qu'elle aille au Panthéon. Il y a toute sa place, c'est une grande dame qui fait l'honneur de la France comme on l'aime, et elle a sa place à côté de Simone. Donc elle savait rebondir sur toutes les situations, et actuellement, bon, elle saurait rebondir sur tous les problèmes qui nous touchent, et sans avoir de préjugés, surtout par rapport aux autorités. Donc elle a bien vu qu'elle savait se battre contre toutes les autorités, quelles qu'elles soient, si la défense était bonne. Ben, Jamila Boupacha, le viol, que ça soit jugé comme un crime ou un délit en France, la Palestine. Jamel Radji, j'ai chanté avec Baziz Algérie Mon Amour avec toutes les stars. Enfin, moi je suis pas une star, moi je suis un tout petit minus, quoi. Mais engagé. J'ai connu Gisèle en l'occurrence par rapport à. Avec en l'occurrence Fadel Amara, avec l'association NPNS qui veut dire ni pute ni soumise. Donc une femme engagée en l'occurrence. Une grande dame par excellence. Un jour d'épaule nue. Un jour comme un oiseau sur la plus haute branche. Quoi, toujours ce serait la guerre, la querelle, des manières de roi et des fronts prosternés. Gisèle Halimi lance un cri d'alarme, ne vous résignez jamais. Bonjour Gisèle Halimi. Au cadavre jeté ce manteau de parole, le baillon pour la bouche et pour la main, le clou. Un jour, pourtant, un jour viendra, couleur d'orange. Un jour de paille, un jour de feuillages au front, un jour d'épaule nue, les gens s'aimeront, un jour comme un oiseau sur la plus haute branche. Thank you.
donc que tu paraisses de l'air, que te fera ta chante, tes cheveux, ce geste touchant, que je renaisse et reconnaisse. Un monde habité par le chant, Elsa, mon amour, ma jeunesse. Eau forte et douce comme un vin, pareil au soleil des fenêtres, tu me rends la caresse d'être, tu me rends la soif et la faim. Et de connaître notre histoire jusqu'à la fin. Ces miracles que d'être ensemble, que la lumière sur ta joue, qu'autour de toi le vent se joue, toujours si je te vois, je tremble. Comme à son premier rendez-vous, un jeune homme qui me ressemble. Pour la première fois ta bouche, pour la première fois ta voix, d'une aile à la cime des bois, l'arbre frémit jusqu'à la souche. C'est toujours la première fois quand ta robe en passant me touche. Ma vie en vérité commence le jour où je t'ai rencontré.